Chapitre 10. John Ferrier s'entretient avec le prophète. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Jefferson Hope et ses compagnons avaient quitté Salt Lake City. Le cœur de John Ferrier supportait mal la pensée que le jeune homme reviendrait, car il perdrait alors sa fille adoptive. Cependant, le visage radieux de Lucie lui fit accepter cette éventualité mieux que n'aurait pu le faire toute autre considération. Cet homme entêté s'était d'ailleurs promis de ne jamais marier sa fille à un mormon. Une seule union ne lui semblait pas un mariage, mais une honte et un déshonneur. Sur ce point, il était inébranlable, quelle que fût son opinion sur le reste de la doctrine mormone. Il ne s'en ouvrait à personne. À cette époque, il ne faisait pas bon émettre une idée non orthodoxe dans le pays des saints. À telle enseigne que même les plus saints osaient à peine chuchoter tout bas ce qu'ils pensaient sur la religion. Une parole tombée de leurs lèvres pouvait attirer sur eux un prompt châtiment si elle était interprétée à contresens. Les victimes de la persécution étaient, à leur tour, devenues des persécuteurs de la pire espèce. Ni l'Inquisition espagnole, ni la Weimgericht allemande, ni les sociétés secrètes d'Italie ne mirent en marche machine plus redoutable que celle qui assombrit jadis l'État de l'Utah. Ce qui rendait plus terrible cette organisation, c'était son invisibilité et le mystère qui l'entourait. Elle semblait omnisciente et omnipotente, et cependant, on ne pouvait ni la voir ni l'entendre. L'homme qui résistait à l'Église disparaissait sans laisser de traces. En vain, sa femme et ses enfants l'attendaient. Il ne revenait pas dire comment ses juges secrets l'avaient traité. Lâchait-on un mot? Commettait-on une imprudence? On était anéanti. Et les colons ne connaissaient pas la nature de cette puissance terrible dont ils sentaient constamment la menace suspendue sur leur tête. Leur vie n'était que crainte et tremblement. Même isolés au fond du désert, ils n'osaient murmurer les doutes qui les accablaient. Au début, ce pouvoir ne s'exerça que sur les récalcitrants, qui, après avoir embrassé la foi des Mormons, tentèrent ensuite de la réformer ou de l'abandonner. Mais bientôt, il étendit le champ de son activité. La polygamie menaça de devenir lettre morte. On manquait de femmes. D'étranges rumeurs commencèrent à circuler. Il y était question d'immigrants assassinés et de camps pillés en des régions où l'on n'avait jamais vu d'Indiens. Dans les harems des anciens, on voyait de nouvelles femmes, éplorées et languissantes. Elles portaient sur leur visage le reflet d'une atrocité inoubliable. Des voyageurs surpris par la nuit dans les montagnes avaient vu se glisser dans l'ombre des bandes d'hommes armés et masqués. Ces racontars se précisèrent, se confirmèrent. À la fin, un nom résuma tout. Les anges vengeurs. C'est encore un nom sinistre et de mauvais augure dans les ranchs solitaires de l'Ouest. La peur que cette organisation inspirait aux hommes s'accrut au lieu de diminuer quand ils la connurent mieux. On ne savait rien de ses membres. Les noms de ceux qui, sous prétexte de religion, se livraient à des actes de violence étaient soigneusement tenus secrets. L'ami auquel vous communiquiez vos soupçons sur le prophète et sa mission pouvait être de ceux qui viendraient la nuit vous infliger, par le feu, un terrible châtiment. Chacun se méfiait de son voisin. Chacun taisait ce qu'il avait le plus à cœur. Un beau matin, comme John Ferrier s'apprêtait à partir pour ses champs de blé, il entendit ouvrir la grille. Il regarda par la fenêtre et vit dans l'allée un homme trapu, d'âge moyen, les cheveux d'un blond roux. Son sang ne fit qu'un tour. Le visiteur inattendu n'était autre que le grand Brigham Young en personne. Tremblant de tous ses membres, cette apparition ne présageait rien de bon, il courut à la porte pour accueillir le chef des Mormons. Celui-ci reçut froidement les salutations de son hôte et il le suivit dans le salon sans quitter son air sévère. « Frère Ferrier, » dit-il, en approchant une chaise et en le regardant en dessous. « Les adeptes de la vraie foi vous ont traité comme un frère. Nous vous avons recueillis quand vous étiez sur le point de mourir de faim dans le désert. Nous avons partagé notre nourriture avec vous. Nous vous avons conduit sain et sauf à cette vallée choisie. Nous vous avons donné une bonne part de terre et nous vous avons permis de faire fortune sous notre protection. » « Ai-je dit vrai ?»« Tout à fait. » répondit John Ferrier. Nous vous avons demandé en retour une seule chose, embrasser la vraie foi et y conformer votre vie. Vous nous avez promis de le faire, mais si la rumeur publique ne m'abuse, vous avez manqué à votre parole. Mais en quoi ?
demanda Ferrier en levant les bras en signe de protestation. N'ai-je pas donné à la caisse commune? Est-ce que je n'ai pas assisté régulièrement aux offices? Est-ce que je n'ai pas... Où sont vos épouses? Demanda Yang en regardant autour de lui. Faites-les venir, que je les salue. Je ne me suis pas mariée, je l'avoue, répondit Ferrier. Les femmes étaient rares et il y avait beaucoup de partis plus avantageux. Du reste, je n'étais pas seule. Ma fille avait besoin de moi. C'est de cette fille dont je voudrais vous parler, dit le chef des Mormons. En grandissant, elle est devenue la fleur de l'État. Plusieurs de nos anciens le regardent d'un bon œil. John étouffa une plainte. À son sujet, continua Yang, on raconte des histoires auxquelles je ne peux ajouter foi. On dit qu'elle est promise à un gentil. Ce ne peut être là qu'un commérage. Quel est le 13e article du code du Saint Joseph Smith ? Que chaque fille de la vraie foi épouse un des élus, car si elle épouse un gentil, elle commet un péché grave. Vous, qui faites profession de notre sainte croyance, vous ne laisseriez pas votre fille agir à l'encontre. John Ferrier ne répondit rien. Il jouait nerveusement avec sa cravate. Sur ce point, nous allons éprouver toute votre foi. Il en a été décidé ainsi par le Conseil sacré des quatre. La fille est jeune. Nous ne voudrions pas l'avoir épousé un grison. Nous ne voudrions pas non plus lui enlever le droit de choisir. Nous autres, les anciens, nous avons de nombreuses génisses. Dans un de ses sermons, Heber C. Kimball fait allusion à 100 femmes avec ce terme d'affection. Mais il faut aussi pourvoir nos enfants. Stangerson et Draeber ont chacun un fils. L'un ou l'autre accueillerait avec joie votre fille chez lui. Qu'elles choisissent entre les deux. Ils sont jeunes, ils sont riches et ils pratiquent la vraie religion. Qu'en dites-vous ? Ferrier se recueillit en fronçant les sourcils. Donnez-nous du temps, dit-il enfin. Ma fille est très jeune. À peine est-elle d'âge à se marier ? Un mois, tonna Yang en se levant. D'ici là, elle aura fait son choix. Sur le seuil de la porte, il se retourna, le visage empourpré et des yeux brillants. Pour vous et pour elle, s'écria-t-il, il vaudrait mieux être des squelettes blanchis dans la Sierra Blanco que de dresser vos faibles volontés contre les ordres des quatre saints. Avec un geste de menace, il s'éloigna en écrasant de son pas lourd le gravier de l'allée. Assis, le coude sur le genou, Ferrier se demandait de quelle manière il rapporterait cet entretien à Lucie. Une main se posa doucement sur la sienne. Il releva la tête. Sa fille était debout près de lui. Un seul regard lui apprit qu'elle avait tout entendu. Elle était blême. « Je n'ai pas pu ne pas entendre, » dit-elle. Sa voix résonnait dans toute la maison. « Oh, papa, que faire ?»« Ne te tourmente pas, » répondit-il. Il l'attira à lui et il caressa les beaux cheveux de sa grosse main rugueuse. « Ça va s'arranger, d'une manière ou d'une autre. Tu l'aimes toujours, ton promis, n'est-ce pas ?» Elle eut un sanglot et pressa la main de son père. « Bien sûr que oui. Je serais fâchée du contraire. C'est un beau gars et puis c'est un chrétien. Il l'est beaucoup plus que les gens d'ici, malgré leurs prières et leurs sermons. Un groupe de voyageurs part demain pour le Nevada. Je vais m'arranger pour envoyer un message à Hope. Comme ça, il saura dans quel pétrin nous sommes. De ces mines à ici, il ne fera qu'un saut, plus vite que le télégraphe. » Lucie sourit à travers ses larmes. « Quand il sera là, dit-elle, nous chercherons ensemble le meilleur parti à prendre. Mais c'est pour toi que je crains, papa. On raconte de si affreuses histoires sur ceux qui désobéissent aux prophètes. Il leur arrive toujours quelque chose de terrible. « Mais nous n'avons pas encore désobéi, » répondit-il. « C'est après qu'il faudra veiller au grain. Nous avons un mois entier devant nous. Réflexion faite, je pense que le mieux à faire est de quitter l'Utah. »« Quitter l'Utah ? C'est le mieux. Et la ferme ? Nous réaliserons le plus d'argent possible et nous abandonnerons le reste. À vrai dire, Lucie, ce n'est pas la première fois que j'y songe. Je renacle à ramper devant un simple mortel, comme je le vois faire aux gens d'ici devant leur maudit prophète. Cela n'est pas de mon goût. Je suis un citoyen de la libre Amérique, moi. Pour changer, je suis trop vieux. Si on vient rôder par ici, on pourrait bien recevoir une volée de chevrotines. Mais ils ne nous laisseront pas partir, objecta sa fille. Quand Jefferson sera là, nous nous arrangerons ensemble. En attendant, ma petite chérie, cesse de pleurer. Il ne faut pas que tu aies les yeux gonflés. Sinon, quand il te reverra, il va tomber dessus. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas du tout de danger. Ces paroles rassurantes furent dites sur le ton qui convenait.
N'empêche que, ce soir-là, Lucie observa que son père, contre son habitude, vérifia la fermeture des portes et nettoya, puis chargea le vieux fusil de chasse qui s'était rouillé au mur de sa chambre. Chapitre 11. La fuite. Le lendemain matin, à Salt Lake City, John Ferrier trouva une personne de sa connaissance qui partait pour les montagnes du Nevada. Il lui confia son message à Jefferson Hope, le danger qui les menaçait, lui et sa famille, et la nécessité de son retour auprès d'eux. Cela fait, il retourna chez lui, l'esprit plus tranquille et le cœur plus léger. En approchant de sa ferme, il s'étonna de voir deux chevaux attachés à la grille, et davantage encore, de trouver son salon occupé par deux jeunes gens. L'un d'eux, renversé dans le rocking chair et les pieds sur le poêle, avait un visage allongé et pâle. L'autre, planté devant la fenêtre, les mains dans les poches, avait une grosse face bouffie aux traits communs, un coup de taureau. Il sifflait un air populaire. Tous deux firent un petit salut de la tête en voyant entrer Ferrier. Celui qui était affalé sur le rocking chair amorça la conversation. « Vous ne nous connaissez peut-être pas, » dit-il. « Voici le fils de Draper l'Ancien. Moi, je suis Joseph Stangerson. Nous avons voyagé avec vous dans le désert quand le Seigneur a étendu sa main et vous a réunis à son troupeau. » « Comme il fera de toutes les nations quand bon lui semblera, » ajouta l'autre d'une voix nasillarde. « Il moue lentement, mais il moue très fin. » John Ferrier salua froidement. Il avait deviné à qui il avait affaire. « Nous sommes venus, » reprit Stangerson, « sur le conseil de nos pères, vous demander la main de votre fille pour celui de nous deux que, vous et votre fille, vous choisirez. Je n'ai que 4 femmes. Frère Draper, lui, en a 7. J'ai donc de meilleurs titres. » « Oh non, non, frère Stangerson !» s'écria l'autre. « La question n'est pas là. Il ne s'agit pas de savoir combien de femmes nous avons, mais combien de femmes nous pouvons entretenir. Mon père m'a cédé ses mines. Je suis le plus riche. Mais j'ai plus d'avenir, » repartit Stangerson. « Quand le Seigneur m'enlèvera mon père, j'hériterai la tannerie et sa fabrique de cuir. Et puis je suis l'aîné. J'occupe un rang supérieur dans l'église. » « À la jeune fille de décider, » répliqua Draper, souriant à son image reflétée par la glace. « Nous nous en remettons à elle. » Pendant cet échange, John Ferrier, debout sur le seuil, bouillait de colère. Il avait envie de tomber à coups de cravache sur le dos des deux intrus. « Écoutez, » dit-il enfin, en avançant à grands pas vers eux, « quand ma fille vous convoquera, vous pourrez venir, mais d'ici là, je ne veux pas revoir vos deux têtes. » Les deux jeunes mormons tombèrent des nues. Rien n'était, à leurs yeux, plus honorable pour le père et la jeune fille que leur compétition. « Vous pouvez sortir d'ici de deux manières, » continua Ferrier en élevant la voix. « Voici la porte et voici la fenêtre. Choisissez !» Son visage bruni avait pris une expression féroce. Ses mains osseuses firent un geste menaçant. Les deux jeunes gens se levèrent d'un bond et battirent promptement en retraite. Le vieux fermier les suivit jusqu'à la porte. « Quand vous vous serez mis d'accord, vous me le ferez savoir, » dit-il ironiquement. « Il vous en cuira !» s'exclama Stangerson, blême de rage. « Vous avez bravé le prophète et le conseil des quatre. Vous vous en repentirez jusqu'à la fin de votre vie. »« La main du Seigneur s'apesantira sur vous !» hurla le jeune Draper. « Il se lèvera et vous frappera. »« Eh bien, moi, je n'attendrai pas !» rugit Ferrier en colère. Il montait 4 à 4 chercher son fusil. Lucie le retint. Il se dégagea, mais le galop des chevaux l'avertit qu'ils étaient déjà hors d'atteinte. « Hypocrite ! Gredin » lança-t-il, en essuyant la sueur de son front. « J'aimerais mieux te voir coucher dans la tombe, ma fille, que dans le lit de l'un d'eux. »« Moi aussi, je le préférerais, » répondit-elle avec énergie. « Mais Jefferson ne tardera pas à arriver. Tant mieux, car je me demande ce qu'il nous réserve. » Le père et la fille avaient bien besoin de l'aide d'un allié avisé. Une pareille leçon d'atteinte à l'autorité des anciens ne s'était encore jamais vue dans toute l'histoire de la colonie. Or, si la sanction des fautes mineures était si rigoureuse, quel serait le châtiment d'une telle rébellion? Ferrier savait que sa fortune ne le mettrait pas à couvert. On en avait fait disparaître d'aussi riches et d'aussi notables, et l'Église s'était approprié leurs biens. Il avait beau être courageux, il tremblait devant le danger indéfinissable qui le menaçait. Braver un danger connu n'était rien, mais cette incertitude ébranlait ses nerfs. Il feignait l'insouciance pour dissimuler ses craintes à Lucie.
Mais avec la perspicacité de l'amour filial, Lucie devinait facilement son inquiétude. Il prévoyait un message ou une remontrance quelconque de la part de Yang. Il ne se trompait pas, bien que le message lui parvint d'une manière inattendue. Quand il se leva le matin suivant, il trouva à sa grande surprise un feuillet épinglé au couvre-lit à la place de sa poitrine. On y avait écrit en caractères gras, tout de travers, « Tu as 29 jours pour t'amender. » Et ensuite, les points de suspension étaient plus effrayants que la plus effrayante des menaces. John Ferrier se creusa la tête pour savoir comment cet avertissement était venu. Les domestiques couchaient dans une dépendance. Il avait vérifié la fermeture des portes et des fenêtres. Il froissa le papier et n'en dit mot à sa fille. Mais l'incident lui avait glacé le cœur. Les 29 jours, c'était évidemment ce qui restait du mois de réflexion que Yang lui avait octroyé. Que pouvait la force ou le courage contre un ennemi jouissant d'un pouvoir aussi mystérieux? La main qui avait fiché l'épingle aurait tout aussi bien pu le frapper au cœur. Le meurtrier serait demeuré inconnu. Il fut encore tout troublé le lendemain. Il s'apprêtait à prendre son petit déjeuner en compagnie de Lucie, quand celle-ci poussa un cri de surprise et leva le doigt. Au milieu du plafond était griffonné comme au charbon le nombre 28. Lucie n'en comprenait pas la signification et son père ne la lui expliqua pas. Cette nuit-là, armé de son fusil, il monta la garde. Il ne vit ni n'entendit rien. Pourtant, au matin suivant, il trouva le nombre 27 en gros chiffres peints sur l'extérieur de sa porte. Chaque matin, il trouva, ainsi affiché, le nombre de jours qui lui restaient sur le mois de grâce. Ses ennemis invisibles l'inscrivaient à différents endroits bien en vue, tantôt sur un mur, tantôt sur le parquet, d'autres fois sur de petits placards, accrochés à la grille du jardin ou à un barreau de la clôture. Malgré sa vigilance, Ferrier ne pouvait découvrir comment ses avertissements quotidiens lui parvenaient. Rien qu'à les voir, une crainte quasi superstitieuse le bouleversait. Il devint hagard, agité. Ses yeux avaient le regard angoissé d'un animal traqué. Il gardait un espoir, le jeune chasseur du Nevada. Le nombre fatal était tombé de 20 à 15, puis de 15 à 10, sans que Jefferson eût donné de ses nouvelles. Les nombres allèrent diminuant, un par un. Toujours pas de nouvelles. Chaque fois que le vieux fermier entendait passer un cavalier sur la route ou crier un conducteur après son attelage, il se précipitait à la grille, en vain. Quand il vit le nombre tomber de 5 à 4, puis à 3, le courage et l'espérance désertèrent son cœur. Sans aide, et connaissant mal les montagnes qui entouraient la colonie, comment s'évaderait-il? Les routes étaient surveillées d'une manière stricte. Personne ne pouvait les utiliser sans une permission du conseil. Il avait beau chercher, il ne voyait aucun moyen de détourner le cou suspendu sur sa tête. Jamais, cependant, sa résolution ne faiblit. Les Mormons n'auraient pas sa fille. Il mourrait plus tôt. Un soir, il était seul et réfléchissait. Le matin même, on avait inscrit le chiffre 2 sur un mur. Ce serait ensuite le dernier jour du délai accordé. Qu'adviendrait-il? Son imagination était pleine de visions vagues et terribles. Et sa fille, que ferait-on d'elle quand il ne serait plus là? Comment échapper au filet qui les enveloppait? Il laissa tomber sa tête sur la table et éclata en sanglots. Soudain, il se redressa. Il avait entendu un léger grattement, faible mais distinct dans le silence de la nuit. Ce bruit était venu de l'extérieur. Ferrier se glissa dans le vestibule et tendit l'oreille. Il y eut une brève pause. Puis le bruit faible, insinuant, recommença. De toute évidence, quelqu'un frappait doucement à la porte. S'agissait-il d'un assassin venant à minuit exécuter la sentence du tribunal secret? Ou bien d'un agent marquant le chiffre du dernier jour? Une prompte mort vaudrait encore mieux que cette attente qui lui figerait le sang. Il prit son élan, tira le verrou et ouvrit tout au grand de la porte. Dehors, tout était calme et silencieux. La nuit était brillante d'étoiles. Le fermier ne vit personne dans le petit jardin fermé par la clôture et la grille, ni sur la route. Il poussa un soupir de soulagement. Il regarda encore à droite, à gauche, enfin à ses pieds. Quelle ne fut sa surprise! Un homme était allongé sur le sol, la face contre terre. Sidéré, Ferrier dut s'appuyer contre le mur et porter la main à sa gorge pour ne pas crier. Sa première pensée fut que l'homme était blessé, peut-être mourant. Mais il le vit ramper sur le sol et entrer dans le vestibule aussi rapidement et silencieusement qu'un serpent.
Une fois dans la maison, l'homme se dressa vivement sur ses pieds pour fermer la porte. Il se retourna. Le visage farouche de Jefferson Hope apparut au fermier. « Bonté divine !» balbutia John Ferrier. « Que vous m'avez fait peur ! Pourquoi diable êtes-vous entré comme ça ?»« Donnez-moi à manger !» dit l'autre d'une voix éraillée. « J'ai été 48 heures sans boire ni manger. » Il se jeta sur le pain et la viande froide qui restaient du repas de son hôte. « Comment va Lucie ? » demanda-t-il, sa faim apaisée. « Bien, » répondit Ferrier, « mais elle ne se doute pas du danger que nous courons. »« Tant mieux. La maison est gardée de tous côtés. Voilà pourquoi je suis venu en rampant. Ils sont peut-être malins, mais pas assez, pour pincer un chasseur des montagnes de la Nevada. » John Ferrier se sentait un autre homme. Il saisit la main calleuse de l'ami dévoué et la serra avec force. « Je suis fier de vous, » dit-il. Il n'y en a pas beaucoup qui seraient venus partager notre danger et nos peines. « Vous l'avez dit, » répondit le jeune chasseur. « J'ai du respect pour vous, mais si vous aviez été seul dans cette affaire, j'y aurais regardé à deux fois. C'est pour Lucie que je suis venu. Avant qu'il lui arrive le moindre mal, la famille Hope comptera un membre de moins. Qu'allons-nous faire ? C'est demain le dernier jour. Si vous n'agissez pas cette nuit, vous êtes perdu. » Deux chevaux et une mule nous attendent au canyon de l'Aigle. Combien d'argent avez-vous ? 2 000 $ en or et 5 000 en billets. Cela suffit. J'en ai autant. Il faut nous rendre à Carson City par les montagnes. Faites lever Lucie. C'est une chance que les domestiques ne couchent pas dans la maison. Pendant l'absence de Ferrier, Jefferson Hope fit un petit paquet de tout ce qu'il put trouver de comestible et il emplit d'eau une jarre de grès. Il savait par expérience que dans les montagnes, les sources sont rares. À peine avait-il terminé ses préparatifs que le fermier revint avec Lucie, tout habillée et prête à partir. Les épanchements entre les amoureux furent tendres, mais bref, il n'y avait pas une minute à perdre. « Partons tout de suite !» dit Jefferson Hope, de la voix basse mais résolue, d'un homme qui a mesuré la grandeur du péril mais qui s'est armé de courage pour l'affronter. Le devant et le derrière de la maison sont surveillés. Mais en faisant bien attention, nous devrions pouvoir nous enfuir par une fenêtre sur le côté, et de là à travers champs. Une fois sur la route, nous ne serons plus qu'à 3 km du ravin où nos montures attendent. À l'aube, nous devrions être en pleine montagne. « Et si on nous arrête ?» dit Ferrier. Hope frappa la crosse du revolver qui gonflait sa tunique. « S'ils sont trop nombreux, » dit-il avec un sourire sinistre, « nous en emmènerons 2 ou 3 avec nous. » Ils avaient éteint les lumières. De la fenêtre, Ferrier contempla pour la dernière fois ses champs. Il s'était longtemps préparé à en faire le sacrifice. L'honneur et le bonheur de sa fille lui importaient beaucoup plus que sa fortune. Tout respirait une paix profonde. Les arbres, au bruissement léger, et les grands champs de blé silencieux. Le moyen de croire que des meurtriers s'y tenaient tapis à l'affût ? Cependant, le visage blême et l'expression figée du jeune chasseur en disaient long sur ce qu'il avait pu observer en s'approchant de la maison. Ferrier porterait le sac d'or et de billets, Jefferson Hope les maigres provisions, et Lucie un petit paquet, ses choses les plus chères. Ils ouvrirent la fenêtre, lentement, doucement. Quand un nuage rendit l'obscurité plus complète, ils se glissèrent dans le jardin, l'un après l'autre. Tout recroquevillé et retenant leur souffle, d'un pas hésitant, ils atteignirent la haie. Ils l'allongèrent jusqu'à une trouée qui s'ouvrait sur un champ de maïs. Là, le jeune homme saisit le bras de ses compagnons et les fit rentrer dans l'ombre, où ils restèrent, muets et tremblants. Ayant heureusement vécu dans la prairie, Jefferson Hope avait l'oreille très fine. Lui et ses amis venaient de se tapir, quand, à quelques mètres d'eux, se fit entendre le triste ululement d'un hibou, auquel répondit immédiatement un autre, un peu plus loin. Au même instant, une ombre déboucha de la trouée et répéta le même signal plaintif. Un deuxième homme surgit. « Demain, à minuit !» ordonna le premier, « quand l'engoulevent aura crié 3 fois. »« Entendu !» dit l'autre. « Je préviens frère Draeber ?»« Transmets-lui l'ordre. Lui le transmettra aux autres. 9 à 7 ?»« 7 à 5 !» répondit l'autre. Les deux ombres se séparèrent. Les dernières paroles échangées étaient sans doute des mots de passe. Le bruit des pas se perdit au loin. Jefferson se releva d'un bond. Il aida ses compagnons à passer par la trouée et il les mena à travers champs en courant de toutes ses forces. « Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous !
les exhortait-il de temps en temps, d'une voix entrecoupée. Nous franchissons le cordon de sentinelle. Tout dépend de notre rapidité. Dépêchez-vous ! Il soutint et porta presque la jeune fille hors d'haleine. Une fois sur la route, ils foncèrent à grandes enjambées. Ils n'aperçurent qu'un seul homme. Encore, celui-ci ne les reconnut-il pas ? Ils avaient eu le temps de se cacher dans un champ. Un peu avant la ville, ils prirent un sentier caillouteux qui conduisait aux montagnes. Au-dessus d'eux se dressaient deux pics sombres et dentelés. Le défilé qui les traversait, c'était le canyon de l'Aigle, où attendaient les chevaux et la mule. Avec un instinct infaillible, Jefferson Hope se dirigea parmi de grosses pierres, puis le long du lit d'un torrent desséché, vers un endroit retiré derrière des rochers. C'était là qu'il avait attaché les bêtes. La jeune fille s'assit sur la mule et son père, qui avait le sac en argent, enfourcha l'un des chevaux. Jefferson Hope ouvrit la marche dans le col escarpé et dangereux. Chemin effroyable pour quiconque n'était pas habitué aux pires sautes d'humeur de Dame Nature. D'un côté s'élevait sur plus de 300 mètres le flanc abrupt, noir, morne et menaçant d'une montagne. Des colonnes de basalte saillant sur la surface rugueuse ressemblaient aux côtes d'un monstre pétrifié. De l'autre côté, un obstacle infranchissable, un indescriptible chaos de pierres et de débris. Au milieu, le col faisait le lacet. De place en place, il se resserrait. Il fallait aller en file indienne. Enfin, c'était un chemin tout à fait impraticable, sinon pour des cavaliers expérimentés. Néanmoins, malgré toutes les difficultés, les fugitifs se reprenaient à espérer. Chaque pas augmentait la distance qui les séparait des despotes qu'ils fuyaient. Cependant, ils n'étaient pas encore sortis du territoire des saints. Ils en eurent bientôt la preuve. À l'endroit le plus sauvage et le plus désolé du col, la jeune fille poussa un cri de surprise en désignant le sommet du roc qui les dominait. La silhouette d'une sentinelle solitaire se découpait sur le ciel. Le garde fit retentir le ravin silencieux de la sommation militaire. « Qui vive ?»« Des voyageurs, en route pour le Nevada !» répondit Jefferson Hope, en saisissant le fusil qui pendait à sa selle. Le garde empoigna son fusil. La réponse lui semblait louche, sans doute. « Avec la permission de qui » demanda-t-il. « Des quatre saints !» répondit Ferrier. Sa connaissance des Mormons lui avait appris que c'était la meilleure autorité qu'il pût invoquer. « 9 à 7 !» cria le garde. « 7 à 5 !» répondit aussitôt Jefferson, qui se rappela le mot de passe entendu dans le jardin. « Passez, et que le Seigneur soit avec vous !» dit la voix d'en haut. En se retournant, ils virent la sentinelle appuyée sur son fusil. Ils avaient franchi le dernier poste du peuple élu, la liberté devant eux. Chapitre 12. Les anges vengeurs. Ils passèrent la nuit à franchir une succession d'inextricables défilés et de sentiers tortueux jonchés de pierres. Ils s'égarèrent plusieurs fois, mais grâce à l'expérience de Hope, ils retrouvèrent leur chemin. Au lever du jour, un spectacle aussi merveilleux que sauvage s'offrit à leurs yeux. De toutes parts, des pics altiers couverts de neige les enserraient. Chacun d'eux regardait comme par-dessus l'épaule d'un autre l'horizon lointain. Les mélèzes et les pins qui poussaient à leurs flancs presque verticaux semblaient suspendus au-dessus du col. Il aurait suffi du moindre souffle de vent pour les y précipiter. Il ne s'agissait d'ailleurs pas d'une pure illusion. La ride vallée était encombrée d'arbres et de grosses pierres qui y avaient roulé. Une fois, sur leur passage, une énorme roche dégringola avec un bruit de tonnerre qui réveilla les échos dans les gorges silencieuses et fit partir au galop les chevaux harassés. Le soleil se leva lentement à l'orient. Les pics s'allumèrent l'un après l'autre comme les lanternes d'une fête. À la fin, ils resplendirent tous. Ce magnifique panorama réchauffa le cœur des trois fugitifs et leur donna une nouvelle énergie. À un torrent fougueux qui dévalait d'un ravin, ils firent une halte. Et tandis que leurs chevaux s'y abreuvaient, ils prirent un repas hâtif. Lucie et son père auraient volontiers prolongé cette pause, mais Jefferson Hope ne l'entendit pas ainsi. « En ce moment, dit-il, nos ennemis sont à nos trousses. Tout dépend encore de notre rapidité. Une fois hors de leur atteinte à Carson, nous pourrons nous reposer le reste de notre vie. » Ils poursuivirent leur route. Entre eux et leurs ennemis, d'après le calcul qu'ils firent ce soir, ils avaient mis une 40aine de kilomètres. À la base d'un rocher en surplomb, abrité du vent glacial qui soufflait,
Serrés l'un contre l'autre, ils purent goûter quelques heures de sommeil. Avant l'aube, toutefois, ils s'étaient remis en marche. Jefferson Hope commençait à croire qu'ils avaient enfin échappé à la terrible société qu'ils avaient défiée. Quelle erreur! La main de fer allait bientôt se refermer sur eux et les broyer. Vers le milieu du second jour, les provisions manquèrent. Le chasseur ne s'en inquiéta guère. Les montagnes étaient giboyeuses et lui-même avait souvent vécu de chasse. Sous un enfoncement, il fit un feu de branches sèches autour duquel ils se réchauffèrent. L'air était vif à 1800 mètres d'altitude. Il attacha les chevaux, fit ses adieux à Lucie, puis, le fusil sur l'épaule, il partit en quête de gibier. Ayant tourné la tête, il vit le vieil homme et la jeune fille penchés au-dessus du brasier. Les chevaux et la mule se tenaient immobiles à l'arrière-plan. D'un ravin à l'autre, il marcha quelque 3 kilomètres sans rien trouver. Cependant, d'après des traces sur l'écorce des arbres et quelques autres indices, de nombreux ours devaient se trouver dans le voisinage. Après 3 heures de recherche et en bredouille, il songea à rebrousser chemin. Alors, il regarda en l'air et tressaillit de joie. À 100 mètres au-dessus de lui, au bord d'une corniche, se tenait une espèce de mouton aux cornes gigantesques. À proprement parler, un mouton des montagnes rocheuses. La bête gardait sans doute un troupeau qu'il ne voyait pas. Par bonheur, elle lui tournait le dos. Elle n'avait pas flairé sa présence. Il se coucha à plat ventre, il appuya son fusil sur une pierre et il visa longuement avant de presser la détente. L'animal fit un bond. Il chancela un instant au bord du précipice, puis il tomba au fond de la vallée. Il n'avait pas la force d'emporter le mouton. Il se contenta de couper une hanche et une partie du flanc. Il chargea ce trophée sur son épaule et revint sur ses pas en toute hâte. La nuit était proche. Il se rendit bientôt compte de la difficulté du retour. Dans son ardeur, il s'était beaucoup éloigné des ravins qu'il connaissait. La vallée où il se trouvait se divisait et se subdivisait en plusieurs gorges indistinctes. Il s'engagea dans l'une d'elles. 1 kilomètre plus loin, il découvrit un torrent qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il avait fait fausse route. Il retourna en arrière, il essaya une autre gorge, même un succès. La nuit tomba tout d'un coup. Il faisait presque noir quand il retrouva son chemin. Même alors, c'était encore une affaire que de ne pas s'en écarter. Dans ce défilé encaissé, l'obscurité était profonde et la lune n'avait pas fait son apparition. Fourbu, à la suite de ses efforts et pliant sous son fardeau, il avançait en trébuchant. Pour s'encourager, il se disait que chaque pas le rapprochait de Lucie et qu'il apportait de quoi la nourrir jusqu'à la fin du voyage. Il était parvenu à l'entrée du défilé où il les avait laissés. Malgré l'obscurité, il reconnaissait les escarpements qui le bordaient. Il devait, pensait-il, l'attendre anxieusement. Son absence avait duré presque 5 heures. Pour leur annoncer son retour, il mit ses mains en porte-voix et fit répéter à l'écho un sonore cri d'appel. Il fit une pause et prêta l'oreille. Pas de réponse, rien que son propre cri qui, maintes et maintes fois, lui revint du fond des mornes ravins solitaires. Il cria de nouveau, encore plus fort. Ses amis qu'il avait quittés tout à l'heure demeurèrent silencieux. Une crainte vague, indéfinissable, s'empara de lui. Il se mit à courir, comme un fou. Dans sa panique, il laissa tomber la précieuse nourriture. Après le dernier détour, il aperçut l'endroit où il avait allumé un feu. Il couvait encore sous un tas de cendres. De toute évidence, on ne l'avait pas entretenu depuis son départ. Un silence effrayant régnait toujours, partout à la ronde. Craignant le pire, il se précipita en avant. Il n'y avait près des braises aucun être vivant. Le vieillard, la jeune fille, les bêtes, tout avait disparu. Hope devina tout de suite que pendant son absence, une catastrophe était intervenue. Une catastrophe qui s'était abattue sans laisser aucune trace. Étourdi par ce coup du sort, il en eut le vertige. Il dut s'appuyer sur son fusil pour ne pas tomber. Mais c'était par définition un homme d'action. Il surmonta vite ce moment de défaillance. Il saisit un morceau de bois à demi consumé, il souffla dessus et s'en servit ensuite comme d'une torche pour examiner le petit camp. Alors il vit sur le sol les traces de nombreux chevaux. Une troupe de cavaliers avait surpris les fugitifs et d'après la direction des empreintes, elle avait ensuite regagné Salt Lake City. Avait-il emmené le père et la fille ? Jefferson Hope en était presque persuadé lorsque ses regards tombèrent sur un objet qui le fit sursauter. Un tas de terre rougeâtre, peu élevé à quelques pas du camp. Ce ne pouvait être qu'une tombe nouvellement creusée.
On y avait planté un bâton et on y avait fixé un morceau de papier. L'inscription était brève, mais précise. John Ferrier, ancien habitant de Salt Lake City, mort le 4 août 1860. Le robuste vieil homme, qu'il avait quitté quelques heures auparavant, était donc bien mort. Et c'était là toute son épitaphe. Fébrilement, il chercha une autre tombe, mais il ne trouva rien. Lucie était donc condamnée à faire partie du harem d'un fils d'ancien. Quand le jeune homme eut compris qu'il ne pouvait plus rien empêcher, il regretta de n'avoir pas été tué comme le vieux fermier. Désespéré, il tomba dans une sorte de léthargie, mais de nouveau son esprit actif l'en tira. S'il était impuissant à secourir Lucie, du moins pourrait-il la venger. Il y consacrerait sa vie. Jefferson Hope était vindicatif, autant que patient et persévérant, c'est-à-dire terriblement vindicatif. Peut-être tenait-il ses qualités et ses défauts des Indiens avec lesquels il avait vécu. Il regarda le tas de cendres et il comprit que seule une vengeance complète, parfaite, adoucirait son chagrin. « Désormais, se jura-t-il, toute ma force de volonté, toute mon énergie seront consacrées. » Blême, menaçant, il revint sur ses pas jusqu'à l'endroit où il avait laissé tomber la viande. Il en fit cuire assez pour s'alimenter quelques jours. Puis, tout fatigué qu'il était, il se lança sur la piste des anges vengeurs. Pendant 5 jours, épuisé, les pieds blessés, il se traîna par les défilés qu'il avait déjà traversés à cheval. La nuit, il se jetait parmi les pierres pour quelques heures de sommeil. Mais avant l'aube, il avait repris sa marche. Le 6e jour, il atteignit le canyon de l'Aigle. De là-haut, il contempla le repère des saints. Il s'appuya sur son fusil et menaça du poing la ville silencieuse. Des rues pavoisées et quelques autres signes de festivité attirèrent son attention. Il était en train de se demander ce que cela signifiait quand le bruit des sabots d'un cheval se fit entendre. Un cavalier se dirigeait de son côté. Hope le reconnut. C'était un mormon, nommé Cowper, à qui il avait rendu quelques services. Peut-être savait-il ce qu'il était advenu de Lucie ? Hope l'arrêta. « Je suis Jefferson Hope, » dit-il. « Vous vous souvenez de moi ?» Le mormon le regarda avec stupéfaction. Comment retrouver dans ce vagabond au visage livide, à l'œil hagard, le jeune et pimpant cavalier de naguère ? À la fin, toutefois, Cowper le reconnut. Sa surprise se mua en consternation. « Vous êtes fou de venir ici » cria-t-il. « Et si l'on me voit avec vous, je suis un homme mort. Un mandat d'amener a été lancé contre vous. » Les 4 saints vous accusent d'avoir aidé les Ferriers à prendre la fuite. « Je me fiche d'eux de leur mandat !» répondit Hope avec vivacité. « Vous devez savoir ce qui se passe, Cowper. Au nom de ce que vous avez de plus cher au monde, je vous conjure de répondre à quelques questions. Nous avons toujours été bons amis. Pour l'amour de Dieu, ne me refusez pas cela. »« Eh bien, qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demanda le mormon, très mal à son aise. « Soyez bref. » Les rochers entendent, les arbres voient. Qu'est devenu Lucie Ferrier ? On lui a fait épouser hier le John Draper. Cette nouvelle sembla porter un coup mortel à son interlocuteur. Du courage, mon gars, du courage ! Reprit Cowper, troublé. Ne faites pas attention, dit Hope d'une voix éteinte. Il était pâle comme un linge. Il se laissa tomber sur une pierre. Vous dites qu'elle est mariée ? Oui, depuis hier. C'était pour la noce, les drapeaux. Il y a eu pas mal de tiraillements entre le jeune Stangerson et le jeune Draper. Ils voulaient tous les deux avoir la fille. Tous les deux avaient pris part à la chasse aux Ferriers. C'était le jeune Stangerson qui a abattu le père. Cela lui donnait un avantage très net sur l'autre. Pourtant, quand on a discuté la chose au conseil, c'est au jeune Draper que le prophète a donné la préférence, parce que son parti y est le plus fort. Mais il n'en profitera pas beaucoup. Hier, la mort se peignait sur le visage de sa nouvelle femme. Ce n'est plus une femme, c'est un spectre. Maintenant, sauvez-vous. Oui, je m'en vais, répliqua Jefferson Hope, qui s'était relevé. Son visage, d'une pâleur de marbre, avait pris une expression féroce. L'éclat de ses yeux avait quelque chose de sinistre. Où allez-vous ? Vous en faites pas, dit-il. Et le fusil sur l'épaule, à grandes enjambées, il se rua dans les 3 sentiers qui menaient en plein cœur de la montagne pour aller vivre parmi les bêtes sauvages. Non, il n'y en aurait pas de plus féroce, de plus dangereux que lui. La prédiction de Cowper ne tarda point à se réaliser.
soit à cause de la mort affreuse de son père, soit par suite de l'abominable mariage auquel on l'avait contrainte, la pauvre Lucie languit pendant un mois, puis mourut. Son mari, qui l'avait épousée pour avoir les biens de Ferrier, témoigna très peu de chagrin en la perdant. En revanche, comme c'est l'usage chez les Mormons, les autres femmes de Draper la pleurèrent et elles passèrent auprès de son corps la nuit précédant l'enterrement. Au matin, elles étaient encore groupées autour du cercueil quand elles furent frappées d'un étonnement et d'une frayeur indicibles. La porte s'ouvrit brusquement. Un homme en guenilles, sauvage d'aspect, au visage basané, pénétra dans la chambre mortuaire sans jeter un regard ni adresser une parole aux femmes agenouillées. Il s'approcha du corps immobile et blanc où l'âme pure de Lucie Ferrier avait résidé. Il se pencha et baisa le front glacé. Puis il s'empara de la main de la morte et en arracha l'alliance en rugissant. « On n'enterrera pas avec !» Avant que les veilleuses n'eussent eu le temps de donner l'alarme, il s'était éclipsé. L'incident leur sembla si étrange, il avait été si soudain, qu'elles auraient pu se croire dupes d'une illusion, sans un fait indéniable, la disparition de l'anneau nuptial. Jefferson Hope s'attarda plusieurs mois dans les montagnes. Il menait une vie sauvage, tout en nourrissant un ardent désir de vengeance. En ville, les histoires se multipliaient sur l'être mystérieux qui rôdait aux abords de la cité et qui hantait les défilés solitaires de la montagne. Un jour, une balle tirée par la fenêtre s'aplatit sur le mur, à quelques centimètres de Stangerson. Une autre fois, Draper passait le long d'un escarpement et une grosse pierre tomba près de lui. Il n'avait échappé à une mort affreuse qu'en se jetant par terre. Les deux jeunes mormons n'hésitèrent pas à mettre un nom sur l'auteur de ces attentats. Pour le capturer ou le tuer, ils organisèrent plusieurs expéditions dans les montagnes, sans succès. Ils n'osaient plus se montrer seuls, ni sortir, après la tombée de la nuit. Ils firent garder leur maison. Au bout d'un certain temps, leur vigilance se relâcha. Leur ennemi n'avait plus donné signe de vie. Ils se prirent à espérer qu'il avait perdu de sa férocité. Au contraire, son appétit de vengeance, loin de diminuer, s'était exaspéré. Il dominait son esprit au point que tout autre sentiment en était banni. Mais Jefferson Hope était par-dessus tout un homme pratique. Bientôt, il se rendit compte que sa constitution, si robuste qu'elle fût, ne résisterait pas aux rigueurs des saisons et au manque de nourriture saine. Peu à peu, il perdait ses forces. Comment pourrait-il se venger s'il mourait comme un chien au milieu des montagnes? Or, c'était ce qui l'attendait, pour peu qu'il s'obstinât à mener cette existence. Ferait-il donc le jeu de ses ennemis? Il retourna dans le Nevada pour rétablir sa santé et amasser un peu d'argent. Ensuite, il pourrait se consacrer tout entier à son projet. Il avait compté revenir au bout d'une année, mais un enchaînement de circonstances imprévues le retint 5 ans dans la région des mines. Ce temps écoulé n'avait pas estompé le souvenir des torts qu'on lui avait faits. Et il souhaitait autant se venger que lors de cette nuit inoubliable qu'il avait passée près de la tombe de John Ferrier. Il regagna Salt Lake City, sous un déguisement et un nom d'emprunt. Peu lui importait sa vie. L'essentiel était qu'il se fît justice. En arrivant chez le peuple élu, il apprit de mauvaises nouvelles. Un schisme avait éclaté quelques mois auparavant. Plusieurs des plus jeunes membres de l'Église s'étaient rebellés contre l'autorité des anciens et un certain nombre de mécontents avaient quitté l'Utah pour se faire gentils. Draper et Stangerson étaient parmi ceux-là. Personne ne savait où ils se trouvaient. D'après la rumeur publique, Draper s'était arrangé pour convertir en argent une grande partie de ses propriétés. Il était parti bien nanti. Au contraire, Stangerson, qui l'accompagnait, était relativement pauvre. Là se bornaient les renseignements que Jefferson Hope recueillit. En face de ces difficultés, un autre aurait abandonné la partie. Mais Jefferson Hope ne renonça pas. Avec ses petites économies, grossies de ce qu'il gagnait en route, il voyagea de ville en ville à la recherche de ses ennemis. Des années passèrent. Ses cheveux noirs commencèrent à grisonner. Mais, tel un véritable limier, il cherchait toujours. Sa vengeance était devenue son unique raison de vivre. À la fin, sa persévérance fut récompensée. Un jour, à Cleveland, il aperçut par une fenêtre les deux hommes qu'il recherchait. Il rentra dans son misérable logis pour méditer un plan. Mais Draper l'avait reconnu sous ses haillons et il avait surpris son regard meurtrier.
Accompagné de Sanderson, qui était devenu son secrétaire particulier, il courut chez le juge de paix à qui il exposa le danger de mort que leur faisait courir la haine et la jalousie d'un ancien rival. Le soir même, Jefferson Hope fut arrêté. Faute de répondant, il fut détenu quelques semaines. Il ne sortit de prison que pour trouver vide la maison de Draeber. Lui et son secrétaire étaient partis pour l'Europe. Ce nouvel échec ne fit que stimuler son zèle. L'argent manquait, il retravailla et il économisa sou par sou en vue de son prochain voyage. Quand il eut amassé assez, il s'embarqua à son tour, puis la chasse recommença de capitale en capitale. Mais ses ennemis lui échappaient toujours. Pour régler ses dépenses, il accepta toutes sortes de besognes serviles. Cela lui faisait perdre du temps. Quand il arriva à Saint-Pétersbourg, Draeber et Sanderson avaient quitté cette ville pour Paris. Parvenu à Paris, il apprit qu'il venait de se mettre en route pour Copenhague. Là encore, il fut en retard. Il se dirigeait sur Londres. C'est à Londres qu'il réussit enfin à les acculer. Pour la suite, il n'est que de citer le propre récit du vieux chasseur, consigné dans le journal intime du Dr Watson, auquel nous sommes déjà redevables de beaucoup. Chapitre 13. Suite des mémoires du Dr John Watson. Il ne fallait voir aucune animosité à notre égard dans la résistance acharnée que notre prisonnier nous opposa. Convaincu de son impuissance, il nous sourit d'un air affable. Il souhaitait n'avoir blessé personne dans la bagarre. « Je suppose que vous allez me conduire au poste, » dit-il à Sherlock Holmes. « Ma voiture est à la porte. Si vous voulez me détacher les jambes, je vous y mènerai, car je ne suis pas si léger qu'il y a 20 ans. » Gregson et Lestrade se regardèrent, méfiants. Cette proposition n'était pas de leur goût, mais Holmes écouta le prisonnier et dénoua la serviette qui attachait ses chevilles. L'homme se releva, étendit ses jambes, il pouvait marcher. Je le regardais. Jamais je n'avais vu un individu aussi solidement bâti. Son visage basané indiquait une énergie et une résolution aussi remarquables que sa force. Si la place de chef de police devenait libre, dit-il en regardant Sherlock Holmes avec une véritable admiration, « elle ne vous irait pas mal. La manière dont vous m'avez dépisté vaut toutes les recommandations. »« Accompagnez-nous donc, » fit Holmes aux deux détectives. « Je sais conduire, » dit Lestrade. « Très bien. Vous, Gregson, venez avec nous à l'intérieur du fiacre. Vous aussi, docteur. Vous vous êtes intéressé à cette affaire. Suivez-la jusqu'au bout. » J'acceptais volontiers. Et nous descendîmes tous ensemble. Notre prisonnier ne tenta nullement de s'échapper. Calme, il entra dans son fiacre où nous le suivîmes. Lestrade monta sur le siège, fouetta le cheval et nous conduisit vite à destination. On nous fit pénétrer dans une petite salle. Un inspecteur nota le nom du prisonnier et ceux des hommes qu'il était accusé d'avoir tués. Cet officier au teint blême, à l'air flegmatique, remplit ses fonctions machinalement. « Le prisonnier comparaîtra devant ses juges dans le courant de la semaine, » dit-il. « Monsieur Hope, avez-vous une déclaration à faire ? Mais je dois vous prévenir que nous noterons vos paroles et qu'elles pourront être utilisées contre vous. »« J'ai beaucoup à dire, » répliqua Jefferson Hope. « Messieurs, je vais tout vous raconter. »« Ne feriez-vous pas mieux de garder cela pour le tribunal ?» dit l'inspecteur. « Il se peut qu'il n'y ait pas de procès, » dit Hope. « Ne sourciez pas. » « Je ne songe pas au suicide. » Il tourna vers moi ses yeux noirs et farouches. « Vous êtes médecin, je crois. »« Oui, » répondis-je. « Alors posez votre main, là, » dit-il en souriant. Il leva vers sa poitrine ses poignets liés par les menottes. Je m'exécutais. Je constatais un extraordinaire battement de cœur. Sa poitrine tremblait et frémissait comme la cloison d'une frêle construction secouée par une puissante machine en marche. En l'auscultant dans le silence, j'entendis siffler et bourdonner sourdement. « Eh bien, » dis-je, « vous avez un anévrisme de l'aorte. »« Oui, c'est ce qu'on m'a dit, » répondit-il placidement. « J'ai été voir un docteur la semaine dernière et il m'a dit que ça éclaterait sous peu. Ça empire depuis des années. J'ai attrapé cela dans les montagnes de Soltec où j'ai souffert du froid et de la faim. Mais ma tâche est accomplie. Je suis prête à partir. Tout de même, je voudrais bien m'expliquer avant. » Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'un vulgaire assassin. » L'inspecteur et les deux détectives devaient-ils le laisser raconter son histoire ? Ils en discutèrent, non sans vivacité. « Docteur, » me demanda enfin l'inspecteur, « croyez-vous qu'il y ait un danger imminent ?
J'en suis sûre. Alors, notre devoir est clair. Dans l'intérêt de la justice, il nous faut recueillir sa déposition. Vous pouvez parler, monsieur, mais je vous préviens encore une fois que nous enregistrons vos paroles. Avec votre permission, dit Hope, je m'assieds. Cet anévrisme me fatigue beaucoup et la lutte de tout à l'heure ne m'a pas arrangée. J'ai un pied dans la tombe et je n'ai aucune raison de mentir. Tout ce que je vais vous dire est scrupuleusement vrai. L'usage que vous ferez de mes paroles, ça m'est égal. Jefferson Hope se renversa sur sa chaise et commença son récit. Il parla d'une manière calme et méthodique, comme s'il se fût agi de choses assez ordinaires. Je peux garantir l'exactitude du compte-rendu qui suit. Je l'ai confronté avec les notes de Lestrade qui avait tout pris en sténo. Peu vous importe pourquoi je haïssais ces hommes. Je vous dirai seulement qu'ils étaient coupables du meurtre de deux personnes, le père et la fille, et qu'ils l'ont payé de leur vie. C'était un crime trop vieux pour que j'en appelle à un tribunal quelconque. Mais comme je savais qu'ils étaient coupables, je décidais que je serais à moi tout seul, le juge, le jury et le bourreau. Si vous avez du cœur au ventre, vous auriez agi comme moi. La jeune fille était ma fiancée il y a 20 ans. On la maria de force à Draeber. Elle en mourut, le cœur brisé. Je fis glisser l'alliance du doigt de la morte et je me jurai de la mettre sous les yeux de son bourreau au moment de sa mort. Elle lui rappellerait son crime et il saurait pourquoi je le punissais. Je portais l'alliance toujours sur moi. J'ai cherché ce misérable et son complice à travers les deux continents. Enfin, j'ai pu les joindre. Ils avaient cru que je me fatiguerais, mais ils se sont trompés. Si je meurs demain, ce qui est probable, je mourrai content. Ma tâche est faite et bien faite. Ils sont morts tous les deux de ma main. Il ne me reste plus rien à espérer ni à désirer. Ils étaient riches et j'étais pauvre. Il m'était difficile de les suivre. Quand j'arrivais à Londres, je n'avais plus le sou. Je me mis en quête d'un emploi. Conduire un cheval ou une voiture est pour moi une chose assez naturelle, une chose aussi naturelle que de marcher. J'allais donc chez un loueur qui m'employa. Chaque semaine, je devais remettre tant à mon patron. Le surplus était pour moi. C'était peu, mais je m'arrangeais pour joindre les deux bouts. Le plus difficile, c'était de m'orienter. Quel embrouille à Mini, Londres. J'avais un plan sous la main, cependant. Quand je sus bien situer les gares et les principaux hôtels, cela commença à marcher. Je mis un certain temps à trouver le domicile de mes deux gentlemen. Je cherchais, cherchais. Ils étaient logés dans une pension à Camberwell, sur l'autre rive. Là, ils étaient à ma merci. J'avais une barbe, ils ne pouvaient pas me reconnaître. Je voulais les pister jusqu'au moment favorable. J'étais bien décidée à ne pas les laisser s'envoler. Oh, ils ont été bien près de le faire. Pourtant, j'étais continuellement sur leurs talons. Parfois, je les suivais à pied, d'autres fois avec mon fiacre. Cette manière était la meilleure. Alors, ils ne pouvaient pas me semer. Ce n'était que tôt le matin et tard le soir que je pouvais gagner quelque chose. Je commençais à être en dette à l'égard du patron, mais ça m'était égal. La seule chose qui comptait était que je mette la main sur mes bons hommes. J'avais affaire à des gens rusés. Ils avaient sans doute peur d'être suivis car ils étaient toujours ensemble. Et la nuit tombée, ils ne sortaient plus. Je les suivis avec mon fiacre 15 jours durant et jamais je ne vis l'un sans l'autre. La moitié du temps, Draeber était ivre, mais Stangerson veillait. J'avais beau les guetter, jamais l'ombre d'une chance ne se présenta. Je ne me décourageais pas. Quelque chose me disait que l'heure de la vengeance approchait. Ma seule crainte était que ce truc dans ma poitrine éclate un peu trop tôt et que je n'ai pas le temps d'agir. Enfin, un soir, que j'allais et venais sur Torquay Terrace, leur rue, je vis un cab s'arrêter à leur porte. On le chargea de bagages, puis Draeber et Stangerson montèrent et la voiture démarra. Je fouettai mon cheval et je les suivis de loin. Peut-être allait-il quitter Londres. J'étais inquiet. Ils descendirent à la gare de Stone. Je confiai mon cheval à un gamin et je les suivis sur le quai. Ils se renseignèrent sur l'heure des trains pour Liverpool. Un train venait justement de partir. Il n'y en aurait pas d'autre avant quelques heures. Stangerson parut très fâché de ce retard et Draeber content. J'étais si près d'eux parmi la foule que je pouvais entendre ce qu'ils disaient. Draeber avait une petite besogne à terminer. Il demanda à Stangerson de l'attendre, il ne serait pas long. Son compagnon lui rappela qu'ils étaient convenus de ne jamais se séparer. « Il s'agit d'une affaire délicate, » dit Draeber. « Je dois être seul pour la traiter. » La réponse de l'autre m'échappa, mais Draeber se mit à jurer. Entre autres, il rappela à son compagnon qu'il n'était que son employé. Il n'avait pas d'ordre à recevoir de lui, n'est-ce pas ? Le secrétaire le laissa partir.
Il se contenta de demander qu'il rejoigne l'Holiday's Private Hotel au cas où il manquerait le dernier train. Drebber répondit qu'il serait à la gare avant 11h et il partit. Enfin, mon jour était arrivé. Mes ennemis étaient en mon pouvoir. À deux, ils pouvaient se protéger, mais en se séparant, ils se livraient eux-mêmes. Pourtant, j'évitais toute précipitation. Mon plan était déjà arrêté. On ne savoure pas sa vengeance si la victime n'a pas le temps de reconnaître son juge, ni de savoir par qui elle est frappée et pourquoi. Je m'étais arrangée pour bien faire comprendre au criminel qu'il expiait son péché. Le hasard me servit. Quelques jours auparavant, un monsieur qui venait de visiter des appartements dans Brixton Road avait laissé tomber dans ma voiture la clé d'une de ses maisons. Le même soir, on me réclama cette clé. Mais j'avais eu le temps d'en relever l'empreinte et d'en faire exécuter une semblable. Ainsi, je possédais un endroit où agir librement, sans crainte d'être dérangé. Le problème était d'y amener Drebber. Sur son chemin, Drebber s'arrêta dans deux tavernes. Dans la dernière, il resta plus d'une demi-heure. Quand il en sortit, il titubait. Il était à moitié noir. Un fiacre passait, il lui fit signe. Je le suivis de près, le nez de mon cheval à 1 mètre du sapin. Nous traversâmes le pont Waterloo et nombre de rues. Puis nous nous trouvâmes, à ma grande surprise, devant la pension de Drebber. Je ne pouvais pas m'imaginer pourquoi il retournait sur ses pas. Je stoppai ma voiture à environ 100 mètres de là. Il entra dans la maison, sa voiture partit. « S'il vous plaît, donnez-moi un verre d'eau. J'ai la gorge sèche. » Je lui tendis un verre qu'il vida d'un trait. « Ça va mieux, » dit-il. Donc, j'attendis. Un quart d'heure s'écoula. Soudain, un bruit de lutte. On se battait dans la maison. Peu après, la porte s'ouvrit brusquement et deux hommes apparurent, Drebber et un jeune que je n'avais jamais vu. Le type tenait Drebber au collet. Parvenu aux marches, il lui donna une bourrade et un coup de pied qui l'envoyèrent bouler sur la chaussée. « Chien !» s'écria-t-il en brandissant sa canne. « Je vais t'apprendre à insulter une honnête fille !» Il était furieux. Je pensais même qu'il allait s'acharner sur Drebber avec son gourdin. Mais le misérable s'échappa. Il chancelait, mais il courait aussi vite qu'il le pouvait. Au coin de la rue, il bondit dans ma voiture. « Conduisez-moi à l'Holiday's Private Hotel, » dit-il. De le savoir enfermé dans mon fiacre, mon cœur se mit à battre avec une telle violence que je craignis que mon anévrisme ne me joue un mauvais tour. Je partis très lentement. Je me demandais ce qu'il y avait de mieux à faire. J'aurais pu le conduire dans les champs et là, dans un chemin désert, avoir avec lui un dernier entretien. J'allais prendre ce parti, mais il résolut tout seul le problème. Son envie de boire l'avait repris. Il me fit arrêter devant un cabaret. Il me dit « Attendez-moi !» et il entra. Il resta là jusqu'à la fermeture. Il en sortit ivre-mort. Il était à moi. N'allez pas croire que je voulais le tuer de sang-froid. En agissant ainsi, j'aurais fait bêtement justice. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Je m'étais décidée depuis longtemps à lui laisser une chance. Au cours de ma vie errante, j'avais fait bien des métiers en Amérique. Pendant quelque temps, j'avais été concierge et balayeur au laboratoire de New York College. Un jour, le professeur faisait un cours sur les poisons. Il montra aux étudiants un alcaloïde, c'est son mot. Ça sert à empoisonner les flèches en Amérique du Sud. Son effet est violent. Il en faut moins que rien pour provoquer une mort immédiate. Je remarquais bien la fiole. Une fois seul, j'en soutirais un tout petit peu. J'étais un préparateur assez adroit. Avec cet alcaloïde, je fabriquais 2 petites pilules solubles dans l'eau. Je mis chaque pilule dans une boîte et j'y ajoutais une autre pilule semblable, mais inoffensive. À ce moment, je décidai que, dès que j'en aurais la possibilité, j'offrirais une pilule à chacun de mes ennemis. Moi, j'avalerais l'autre. Ce serait aussi meurtrier et plus silencieux que de tirer dans un mouchoir. À partir de ce jour, je portais toujours sur moi les 2 petites boîtes. J'allais donc m'en servir. Il était près 1h du matin. Un vent violent soufflait, la pluie tombait à torrents. Mais malgré la tristesse alentour, je ressentais un tel bonheur que je me retenais avec peine de crier ma joie. Messieurs, si pendant plus de 20 ans vous avez poursuivi un but et si tout à coup vous voyez que vos désirs sont sur le point de se réaliser, vous comprendrez mes sentiments. J'allumai un cigare pour me calmer. Mes mains tremblaient, mes tempes battaient. Chemin faisant, je voyais dans l'obscurité aussi distinctement que je vous vois ici le vieux John Ferrier et ma douce Lucie qui me souriaient. Ils m'accompagnèrent durant tout le trajet, l'un à droite,
l'autre à gauche de mon cheval, jusqu'à notre arrivée à la maison de Brixton Road. Là, il n'y avait pas un chat. On n'entendait pas d'autre bruit que le clapotement de la pluie. Par la portière, je vis Draper tassé sur lui-même, dormant un poing fermé. Je le secouai par le bras. « Il faut sortir de là !»« Voilà, voilà !» répondit-il. Sans doute se croyait-il arrivé à l'hôtel, car il descendit sans rien dire et me suivit dans le jardin. Je dus le soutenir, car il perdait l'équilibre. La porte franchie, je le fis entrer dans la chambre de devant. Je puis vous jurer que pendant tout ce temps, je voyais le père et la fille nous montrer le chemin. « Il fait noir comme dans un four !» dit-il en tâtonnant. « Nous allons y voir !» répondis-je. Je grattai une allumette. J'enflammai une bougie que j'avais apportée. « Maintenant, Enoch Draper, me reconnaissez-vous » criai-je. Je m'étais tournée vers lui et j'avais approché la bougie de mon visage. Ses troubles yeux d'ivrogne me regardèrent, s'emplirent d'horreur et ses traits se crispèrent. Il m'avait reconnu. Il se rejeta en arrière, pâle comme un mort. Je vis des gouttes de sueur sur son front, ses dents claquaient. Appuyé contre la porte, j'éclatais de rire. J'avais toujours pensé que la vengeance me serait douce, mais je n'avais jamais espéré ressentir une telle joie. « Chien !» m'écriai-je. « Je t'ai suivi depuis Salt Lake City jusqu'à Saint-Pétersbourg et tu m'as toujours échappé. Mais enfin, te voici arrivé au terme de tes voyages. Il faut que l'un de nous meure avant l'aube. » À ces mots, il recula encore et je vis à son air qu'il me croyait fou. En fait, je l'étais. Mes artères me battaient aux tempes comme des marteaux. J'aurais eu une attaque si je n'avais abondamment saigné du nez. « Te rappelles-tu Luciférier ? » hurlai-je en fermant la porte et en agitant la clé sous son nez. « L'expiation s'est fait attendre, mais elle arrive !» Je vis ses lèvres trembler. Il m'aurait supplié de l'épargner s'il ne s'était pas rendu compte qu'il ne pourrait pas me fléchir. « Oseriez-vous m'assassiner ? » bégaya-t-il. « T'assassiner ? On n'assassine pas un chien enragé ? As-tu pris en pitié ma fiancée quand tu l'as arrachée à son père pour l'entraîner dans ton harem infâme ? Ce n'est pas moi qui ai tué son père, » hurla-t-il. « Mais c'est toi qui as brisé le cœur de Lucie !» Je criai plus fort que lui, puis je lui tendis la petite boîte de pilules. « Que le Dieu Tout-Puissant soit notre juge. Choisis et avale. Une de ces pilules contient un poison mortel, l'autre est inoffensive. Je prendrai celle que tu me laisseras. Nous allons voir s'il y a une justice en ce monde, ou si nous sommes seulement menés par le hasard. » Il s'agenouilla avec des hurlements sauvages. Il me suppliait de l'épargner. Je tirai mon couteau. Je le lui mis sur la gorge pour le faire avaler la pilule. Je pris l'autre pilule et nous restâmes face à face quelques instants. Qui de nous deux mourrait ? Je n'oublierai jamais son expression lorsque l'empoisonnement s'annonça. J'éclatai de rire et lui montrai l'alliance de Lucie. Mais l'effet de l'alcaloïde fut foudroyant. Un spasme douloureux tordit ses traits. Il étendit les bras, tituba. Puis avec un cri rauque, il s'effondra. Du pied, je le retournai et je mis la main sur sa poitrine. Aucun battement. Il était mort. Pendant tout ce temps, mon nez avait saigné. Je ne m'en étais pas occupée. Je ne sais pas l'idée qui me prit d'écrire avec mon sang sur le mur. Je me sentais joyeux, le cœur léger, et j'imaginais de jouer ce bon tour à la police. Je me souvenais qu'à New York, on avait trouvé le mot « Rache » écrit sur le corps d'un Allemand assassiné. Et les journaux de l'époque avaient accusé les sociétés secrètes. Ce qui avait intrigué les New-Yorkais, pensais-je, intriguerait autant les Londoniens. Alors je trempais mon doigt dans mon sang et j'écrivais le mot sur le mur, bien en vue. Je regagnais mon fiacre. Il n'y avait personne. Le temps était toujours abominable. J'avais déjà fait un bout de chemin quand je m'aperçus que je n'avais plus l'alliance de Lucie. Cette découverte me fut un coup terrible. Je n'avais d'elle que ce souvenir. J'avais dû la perdre en me penchant sur le cadavre. Je fis demi-tour. Et après avoir laissé ma voiture dans une rue transversale, je courus à la maison, car je voulais retrouver l'anneau coûte que coûte. Je tombai pile sur un agent qui sortait de là. Il m'a fallu jouer l'ivresse pour ne pas être soupçonné. C'est ainsi que mourut Enoch Draper. Pour venger la mort de John Ferrier, il ne me restait plus qu'à en faire autant à Stangerson. Je savais qu'il résidait à l'Holiday's Private Hotel. Toute la journée, je flânais autour, mais l'homme resta caché. Sans doute, n'ayant pas vu revenir Draper à la gare, se méfiait-il. Ce Stangerson était malin et toujours sur le qui-vive. Mais il se trompait absolument s'il espérait m'échapper en restant à l'hôtel. Je repérai bientôt la fenêtre de sa chambre.
Le lendemain, au petit jour, à l'aide d'une échelle qui se trouvait là, j'y grimpais. Je réveillais Stangerson. « Ta dernière heure est venue, » lui dis-je. « Tu vas payer pour le crime que tu as commis autrefois. » Je lui racontai la fin de Draeber et je lui offris les pilules. Au lieu d'accepter cette planche de salut, il se précipita hors de son lit et me sauta à la gorge. En état de légitime défense, je lui portai un coup de couteau en plein cœur. N'importe comment, il devait mourir. Sa main était criminelle. La Providence lui aurait fait choisir le poison. Je n'ai plus grand-chose à dire. Heureusement, parce que je suis à bout. Pour retourner en Amérique, il me fallait un peu d'argent. J'ai continué mon métier de cocher. Tout à l'heure, j'étais dans la cour. Un gamin tout déguenillé est venu me dire qu'un monsieur habitant au numéro 221B de Baker Street réclamait une voiture. Sans rien soupçonner, je m'y suis rendue. Pas le temps de dire ouf. Ce jeune homme m'avait déjà passé des menottes. Voilà toute mon histoire, messieurs. Vous pouvez me prendre pour un meurtrier. Moi, je soutiens que je suis, tout comme vous, un justicier. Nous avions écouté en silence ce récit bouleversant. Les détectives officiels, tout blasés qu'ils fussent, avaient suivi avec un intérêt visible la confession de Jefferson Hope. Un silence tomba, troublé seulement par le crayon de l'estrade qui prenait ses dernières notes en sténo. « Quelque chose encore, » dit à la fin Sherlock Holmes. « Qui était votre complice, cet homme qui est venu réclamer la bague après l'annonce passée dans les journaux ?» Avec un clin d'œil, le prisonnier réplique. « Je peux révéler mes secrets, mais je ne voudrais pas causer d'ennui à d'autres. J'ai lu votre annonce, j'étais perplexe. S'agissait-il d'un piège ou bien aviez-vous véritablement trouvé l'alliance ?» Mon ami eut l'obligeance d'aller voir. Avouez qu'il a rempli sa mission avec adresse. « Tout à fait de votre avis, » reconnut franchement Holmes. « À présent, messieurs, » déclara solennellement l'inspecteur, « il faut se conformer au règlement. Jeudi prochain, le prisonnier comparaîtra devant les juges. Votre présence sera requise. D'ici là, je suis responsable de cet homme. » Il sonna. Sur son ordre, deux gardiens emmenèrent Jefferson Hope. Holmes et moi quittâmes le poste. Un fiacre nous ramena à Baker Street. Chapitre 14. Conclusion. Nous avions tous été assignés à comparaître devant les juges le jeudi suivant. Mais quand ce jour arriva, il n'avait plus besoin de notre témoignage. Un juge supérieur avait pris l'affaire en main. Jefferson Hope avait été appelé devant un tribunal où justice lui aura été pleinement rendue. Son anévrisme se rompit dans la nuit qui succéda à son arrestation. On le trouva étendu sur le pavé de sa cellule. Son visage conservait un calme sourire, comme si, au moment de sa mort, il avait pu constater que sa vie n'avait pas été inutile et que sa tâche avait été accomplie. Gregson et Lestrade vont être fous de rage avec cette mort, me dit Holmes le lendemain matin. Quelle publicité ils perdent là ! Il me semble pourtant que dans cette affaire, ils n'ont pas fait grand-chose, répondis-je. Ce que vous faites n'a pas d'importance aux yeux du public, repartit mon compagnon avec amertume. Ce qui compte, c'est ce que vous lui faites croire. Tant pis d'ailleurs, reprit-il sur un ton de meilleure humeur, après un moment de silence. Pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer cette enquête. Le cas était des plus intéressants. Tout simple qu'il était, il présentait beaucoup de points instructifs. Simple, m'écriai-je. Comment le qualifier autrement ? Demanda Sherlock Holmes en souriant. Il était essentiellement simple, et la preuve, c'est qu'un très petit nombre de déductions faciles m'a permis de prendre le criminel en moins de 3 jours. C'est vrai. Je vous ai déjà expliqué qu'un fait hors de l'ordinaire est plutôt un indice qu'un embarras. Pour résoudre un problème de cette nature, le principal est de savoir raisonner à rebours. C'est un art très utile, qui est peu pratiqué. On le néglige parce que la vie de tous les jours fait appel plus souvent au raisonnement ordinaire. Pour 50 personnes capables d'un raisonnement synthétique, à peine en est-il une qui sache faire un raisonnement analytique. Je ne vous suis pas trop bien, avouai-je. J'aurais été surpris du contraire. Voyons si je peux m'expliquer plus clairement. Je suppose que vous racontiez une série d'événements à un groupe de personnes et que vous leur demandiez de vous en dire la suite. Elles le repasseront dans leur esprit et la plupart d'entre elles trouveront ce qui en découle. Maintenant, le contraire. Vous leur donnez d'abord la fin d'une autre série d'événements. Combien pourront en inférer la série ? Fort peu. C'est cette dernière opération que j'appelle le raisonnement analytique ou le raisonnement à rebours. J'ai compris, dis-je. Or, dans cette affaire, ce qui était donné, c'était le résultat.
Il s'agissait d'en inférer le reste. Voilà quel a été mon raisonnement. Commençons par le commencement. J'approchais de la maison, comme vous savez, à pied, et l'esprit parfaitement libre de tout préjugé. D'abord, naturellement, j'examinais la route. Comme je vous l'ai déjà dit, je découvris la trace d'un fiacre qui avait dû passer la nuit là. L'enquête vérifiera ce fait, du reste. Je m'assurais que c'était bel et bien un fiacre et non une voiture de maître par l'étroit écartement des roues. Le fiacre londonien est en général moins large que le coupé d'un gentleman. Je tenais une première donnée. Ensuite, je marchais lentement dans l'allée du jardin. Le sol argileux semblait fait exprès pour retenir les empreintes. Où vous ne voyez sans doute que de la boue piétinée comme à plaisir, mes yeux exercés interprétaient les moindres marques. Il n'existe pas, dans la science du détective, une branche aussi négligée que l'examen des vestiges. Par bonheur, j'ai tant pratiqué cet art qu'il est devenu chez moi une seconde nature. Je remarquais les empreintes profondes des agents de police, mais je distinguais encore celles de deux hommes qui avaient traversé le jardin avant eux. Il était évident qu'ils y avaient passé les premiers. De place en place, leurs pas avaient été effacés par les pas des autres. Ainsi, j'établis un second fait, d'après lequel les visiteurs nocturnes étaient au nombre de deux, l'un d'une haute stature, calculé sur la longueur des enjambées, et l'autre vêtu d'une manière fashionable, à en juger par l'empreinte élégante de son soulier. Cette dernière déduction se confirma quand j'entrais dans la maison. L'homme coquettement chaussé gisait devant moi. Par conséquent, c'était l'autre, je veux dire le grand, qui avait commis le meurtre, si meurtre il y avait. Le cadavre ne présentait aucun signe de blessure. En revanche, son expression tourmentée laissait croire qu'il avait vu la mort s'approcher. Celle d'un homme emporté par une crise cardiaque ou par toute autre cause naturelle ne traduit jamais une semblable agitation. Je flairais les lèvres. Il s'en exhalait une odeur aigrelette. J'en inférais qu'il avait été empoisonné de force. Qu'il eût été de force, devinait d'après son visage, à la fois haineux et terrifié. C'est par la méthode d'exclusion que j'étais arrivée à ce résultat. En effet, aucune autre hypothèse ne s'ajustait aux faits. D'ailleurs, ne vous imaginez pas que l'idée de faire prendre du poison de force soit bien nouvelle. Elle se retrouve dans les annales du crime. Tout toxicologue se rappellera les cas de Dolski à Odessa et de Leturier à Montpellier. Quel était le motif ? Voilà le hic. Ce ne pouvait pas être le vol, on n'avait rien pris. La question se posait donc ainsi. Était-ce la politique ou une femme ? Cette dernière supposition m'a paru de prime abord comme étant la bonne. Sitôt sa besogne accomplie, l'assassin politique file. Au contraire, l'assassin que je cherchais avait pris son temps. De plus, il avait négligé toute précaution. Témoin, les nombreuses traces laissées dans la pièce par lui. La politique étant hors de cause, cette vengeance méthodique avait dû être provoquée par une offense personnelle. L'inscription sur le mur, cette attrape Nigo, ne réussit qu'à me confirmer dans mon idée et ensuite, la découverte de l'alliance me donna raison. Sans aucun doute, le meurtrier s'en était servi pour rappeler à sa victime une femme absente, sinon morte. À ce moment-là, je posais une question à Gregson. Dans son télégramme à Cleveland, avait-il demandé si Draeber avait eu des histoires dans le passé ? Il me répondit que non, vous vous en souvenez. L'examen minutieux de la pièce confirma mon hypothèse sur la stature du meurtrier. En outre, il me fournit des détails sur les cendres de son cigare et la longueur de ses ongles. Étant donné l'absence de toute trace de lutte, j'en étais arrivée à la conclusion que le sang répandu sur le parquet avait coulé du nez du meurtrier dans son énervement. La traînée de sang suivait la trace de ses pas. C'est en général chez les tempéraments sanguins qu'une violente colère provoque un tel accident. Je hasardais que le criminel était un type robuste, avec un visage haut en couleur. Je ne me trompais pas, comme on l'a vu par la suite. Une fois dehors, je me dépêchais de faire ce que Gregson avait négligé. Je télégraphiais au chef de la police de Cleveland pour savoir dans quelles circonstances Enoch Draeber s'était marié. La réponse fut concluante. J'appris que Draeber avait déjà invoqué la protection de la loi contre un ancien rival, Jefferson Hope, actuellement en Europe. Là, je tenais la clé du mystère. Il ne me restait plus qu'à prendre le meurtrier. C'était le conducteur du fiacre qui était entré dans la maison avec Draeber. J'en avais la certitude. Les marques sur la route montraient que le cheval avait erré à droite et à gauche. Il avait donc été livré à lui-même. Pendant ce temps, où se trouvait le cocher, sinon dans cette maison ? Or, un homme sensé n'aurait pas commis délibérément son crime en présence d'un tiers.
Enfin, pour qui veut pister quelqu'un à Londres, le métier de cocher est tout indiqué. Ma conclusion, Jefferson Hope était un cocher de la capitale. En admettant qu'il fût cocher, il ne changerait sans doute pas de métier, du moins pour l'instant, afin de ne pas attirer l'attention sur lui. Vraisemblablement, il continuerait à exercer quelque temps encore. Mais prendrait-il un faux nom? C'était bien improbable. Personne à Londres ne le connaissait. J'organisais une bande de gamins encore de détectives et systématiquement je les envoyais chez tous les loueurs de voitures jusqu'au moment où ils me dénichèrent mon homme. Leur réussite et le parti que j'en tirais aussitôt sont encore présents à votre mémoire. Quant au meurtre de Stangerson, je ne l'avais pas prévu. En tout cas, il n'y avait pas moyen de l'empêcher. Alors j'entrai en possession des pilules que j'avais devinées. Voilà, tout n'est qu'un enchaînement de déductions. « C'est merveilleux » m'écriai-je. « Il faut que vos mérites soient reconnus. Publiez un compte-rendu de cette affaire. Si vous ne le faites pas, moi je le ferai. »« À votre idée, docteur, » répondit-il. « Tenez » continua-t-il en me tendant un journal. C'était l'écho du jour et le paragraphe qu'il me signalait avait trait à l'affaire. Le public a été frustré d'un régal sensationnel par la mort subite du dénommé Hope, l'assassin présumé de messieurs Enoch Draeber et Joseph Stangerson. Par suite de ce dénouement, on ignorera sans doute toujours les détails de cette affaire. Cependant, nous savons de bonnes sources que le crime a été la conclusion d'une vieille et romantique inimitié où l'amour et le mormonisme ont joué un rôle. Les deux victimes ont fait partie dans leur jeune âge des saints des derniers jours et Hope, le détenu qui vient de mourir, venait lui-même de Salt Lake City. À tout le moins, cette affaire aura servi à mettre en lumière de la façon la plus frappante la valeur de notre police et elle fera comprendre à tous les étrangers que désormais, ils feront bien de vider leurs querelles dans leurs pays respectifs plutôt que sur le sol britannique. C'est le secret de Polichinelle que le mérite de cette prompte arrestation revient entièrement aux célèbres détectives de Scotland Yard, messieurs Lestrade et Gregson. L'individu a, paraît-il, était appréhendé dans l'appartement d'un certain monsieur Sherlock Holmes, qui a lui-même fait preuve de quelques talents comme détective amateur et qui, avec de tels maîtres, peut espérer rivaliser un jour avec leurs compétences. On s'attend à ce qu'une décoration soit attribuée aux deux agents en juste reconnaissance de leur service. Ne vous l'avais-je pas dit ? S'écria Sherlock Holmes en riant aux éclats. Voilà tout le résultat de notre étude en rouge. Nous avons décroché pour ces messieurs une décoration. Peu importe, répondis-je. Tout est consigné dans mes notes et le public jugera. Pour l'instant, contentez-vous de la bonne conscience que vous donne votre réussite, tel le pauvre Romain. Qu'importe leur sifflet quand, enchanté, je contemple le spectacle chez moi des trésors de mon coffre. Bienvenue sur le, je crois, quatrième vlog lecture sur Sherlock Holmes. Oui, je suis complètement en pyjama et alors, on est dimanche. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'histoire, toute l'histoire de Jefferson Hope, de Lucy, de John Ferrier. Donc, je suis assez attristée en fait de la fin de cette histoire-là, mais je m'en doutais bien. Je m'en doutais bien qu'on se dirigeait là. Les chapitres 10, 11 et 12, donc c'est John Ferrier s'entretient avec le prophète, c'est la fuite avec Jefferson Hope et les anges vengeurs. Donc après, on repasse à Watson et la conclusion de, où c'est Watson et Holmes. Donc, bah, c'est triste comme histoire et j'aime beaucoup la différence au niveau du style entre l'histoire en fait qui se déroule au moment où Jefferson Hope. Enfin, l'histoire avec Lucy, John Ferrier dans l'Utah et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il a quand même fait de bonnes recherches à ce sujet, Arthur Conan Doyle, sur les Mormons. Et peut-être que je sais pas si c'est exactement contemporain à l'histoire de Sherlock Holmes. Ou enfin, en tout cas, j'ai l'impression que les Mormons, ils ont assez mauvaise réputation en Angleterre et sous la plume de Arthur Conan Doyle.
Après, je ne sais pas, hein, mais c'est vrai que ça fait très sectaire, très renfermé sur eux-mêmes, etc. Et c'est une religion qui est très nouvelle, surtout. Je ne sais plus exactement de quand ça date, mais je ferai quelques petites recherches, je vous mettrai un petit lien si je trouve des trucs sympas. Mais ben, j'ai trouvé ça super triste pour Jefferson Hope. Je trouve que la caractérisation des personnages est excellente. J'ai un peu de mal à différencier Gregson et Lestrade parce que je trouve qu'ils sont à peu près identiques. Mais Sherlock Holmes, il est vraiment super bien caractérisé. Watson aussi. Watson, il la ramène pas du tout en fait. J'ai l'impression qu'il est un peu émerveillé par Sherlock Holmes, par son côté brillant. C'est quelqu'un qui est gentil, qui est bon et qui. J'ai l'impression qu'il est là parce que Sherlock Holmes, il a besoin d'avoir une oreille qui écoute ses théories, ses déductions, sa manière de travailler. Je trouve qu'on a un Sherlock, contrairement aux représentations que je m'en suis fait dans les films et dans les séries. Donc j'ai vu les deux films avec Robert Downey Jr. et Jude Law. J'ai vu Elementary et j'ai vu Sherlock. Je ne crois pas que j'en ai vu d'autres. Peut-être des plus anciens, mais je m'en souviens plus. Mais on a quand même un personnage qui est assez fantasque, on est un petit peu du côté quasiment de la maladie mentale dans Elementary et peut-être plus du génie un petit peu fantasque chez Sherlock. Après, je les ai vus il y a très longtemps, donc je m'en souviens plus exactement. Et ce qui fait que j'ai un peu cette vision-là de Sherlock en tête et que je trouve que le Sherlock d'une étude en rouge est beaucoup plus droit dans ses bottes, entre guillemets. Beaucoup plus sage. Mais ça reste quelqu'un qui prend des risques. L'histoire de l'euthanasie du chien là qu'on a eu dans le vlog précédent, je pense que à l'époque en fait la cruauté entre guillemets envers les animaux, ils s'en battaient les steaks royalement. Hein. Mais en fait on voit qu'il ne Il n'a pas peur en fait de prendre le risque d'essayer quelque chose. Alors évidemment, il n'aurait pas lui-même goûté une de ces pilules, mais il a. Disons que le chien qui était en fin de vie, il tombait bien. Peut-être qu'il aurait pu, je sais pas, ramasser un rat ou un pigeon et le filer ou à un chat errant et le filer comme ça pour s'assurer qu'il a raison. Donc est-ce qu'il ne met pas au-devant de tout le fait, peut-être pas d'avoir raison, je suis pas sûre. J'ai pas l'impression qu'il y a ce besoin de lumière. Il a plus le besoin de résoudre une enquête. J'ai l'impression pour passer peut-être à autre chose. Et comme c'est un mec qui écrit des articles et compagnie, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un besoin de reconnaissance. Et là, en plus, il me semble aussi que bon, la famille de Sherlock Holmes était un petit peu plus développée dans Sherlock. Je crois pas dans les films avec RDJ. Elementary, je m'en souviens plus, ça remonte à trop. Mais c'est une famille qui est quand même plutôt aisée de mémoire, plutôt peut-être pas aristocratique, mais on va dire des grands bourgeois, au moins Mycroft. Et après, il semble, enfin, l'impression que j'en ai, mais je m'en souviens plus exactement. Hein. C'est que Sherlock pourrait vivre beaucoup plus, de manière beaucoup plus aisée, mais qu'il ne le fait pas. Parce que je pense qu'il s'en bat les steaks. Il s'en fout. Mais enfin, il y a un côté, en fait, dans le Sherlock là, que je lis, un côté qui est beaucoup plus simple que ceux qui ont été interprétés après, que je trouve vachement intéressant. Il y a le fait un peu qu'il s'est. Bon, il se moque un peu gentiment des. C'est du sport en fait, j'ai l'impression. C'est un peu une petite compète avec les détectives, là, Lestrade et Gregson. Il se fout un peu de leur gueule, mais parce qu'il sait qu'il a raison. Sauf qu'à un moment, il s'est quand même un petit peu plantouillé aussi quand il a essayé d'aller choper la vieille qui avait récupéré l'alliance. Donc, est-ce que c'est pas un personnage, cet acteur qui s'est fait passer pour une personne âgée? Qui a sorti une jolie histoire pour récupérer l'alliance. Est-ce que c'est un personnage qu'on va revoir ressurgir quelque part? Est-ce que il me semble que Moriarty n'est pas
pas un personnage central, on va dire, des enquêtes de Sherlock Holmes, mais c'est quelqu'un qui pèse, comme Irène Adler, il me semble. Irène Adler, je crois que c'est qu'une nouvelle, hein. Et est-ce que c'est quelqu'un qui peut être aux ordres de Moriarty? Parce que quelqu'un qui peut à ce point se transformer pour se faire passer pour une personne âgée et inoffensive et gentiment faire un pied de nez au détective qui lui court après, c'est un bon talent. Donc quelqu'un pourrait en avoir besoin. Donc je sais pas parce que je les ai pas lus. Donc j'ai très hâte de. Je suis pas coiffée. J'ai très hâte de lire la suite. J'ai pas envie de le faire de suite parce que j'ai pas envie de tout bouffer. Mais là, je crois que c'est quasiment sûr et certain que je lirai tout. Je lirai tout de Sherlock Holmes. Je vais regarder ce que j'ai. J'ai une étude en rouge là qu'on vient de lire. Il y a Le Signe des Quatre ensuite, je crois que c'est également un roman. Les aventures de Sherlock Holmes, il y a Les Archives de Sherlock Holmes, La Vallée de la Peur, Les Mémoires de Sherlock Holmes, Le Retour de Sherlock Holmes, Son dernier coup d'archer, Le Chien de Baskerville. Et après, il y a des choses aussi qui sont Le Vampire de Sussex, une pièce de théâtre, Résurrection de Sherlock Holmes. Et souvenirs sur Sherlock Holmes. Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse. Parce que, alors, de mémoire, il y a quatre romans. Le reste, c'est des nouvelles. Donc, c'est soit des nouvelles qui sont là, dans ce que je vous ai lu comme titre, soit c'est des nouvelles qui sont réunies en recueil, soit c'est des nouvelles qui vont être. Je crois qu'il y a 56 nouvelles. Il y a une pièce de théâtre aussi. Mais je ne vais pas lire tout de suite. S'il y a des nouvelles qui sont assez courtes, je pense que je peux en passer une par semaine, un truc comme ça. Mais j'ai l'impression que les romans sont assez courts aussi. Je me demande si c'était pas un truc un peu feuilletonesque. J'ai un petit doute. Peut-être à vérifier. Donc la prochaine lecture de prévue après Une étude en rouge de Sherlock Holmes, c'est La lettre écarlate de Hawthorne. Je me souviens plus de son petit nom. En gros, c'est chez les pèlerins qui viennent d'arriver, enfin chez les premiers Américains qui sont installés dans une des premières villes, donc un amas de cabanes en gros. Il y a une des femmes qui est accusée d'adultère et qui doit porter un A rouge sur. Je crois que c'est juste noté sur, brodé sur sa robe. Je crois pas que ce soit genre gravé au fer à cheval, enfin brûlé sur sa peau. Et il y a tout un truc assez intéressant à ce niveau-là et de ce que j'ai lu sur l'auteur. L'auteur, il est quand même dans la dénonciation un peu du pudibondisme de l'époque. Et je trouvais ça intéressant de m'y pencher. Donc j'ai l'impression que c'est un roman qui est assez court, donc je pense que ça peut se faire assez rapidement. C'est antérieur, là je crois qu'on est plus au 17e, ouais, voire 16e siècle, un truc comme ça. 17e, je pense. Et bah, ça me dit bien, ma foi. Et je commence à réfléchir, je me demandais si j'allais pas lire Orgueil et Préjugés après. Ou si j'allais pas lire un livre sinon des Sœurs Brontë après. Parce que je vous avouerai que Léo de Hurlevent, j'ai adoré. Et j'ai adoré aussi Jane Eyre. Et il y a aussi d'autres livres aussi de ses sœurs. Émilie Brontë n'a écrit que Léo de Hurlevent parce qu'elle n'a pas eu le temps. C'est une famille assez tragique, les Brontë, hein. Mais je pensais sinon à Elisabeth Gaskell. Elisabeth Gaskell, ça va être un peu une histoire un petit peu à la mode de Jane Austen. Donc petite noblesse ou grande bourgeoisie. Enfin, ça va être des trucs un petit peu de ce genre-là. J'ai envie d'écrire, de lire de la littérature féminine. Enfin, féminine, littérature d'auteur féminin. Donc voilà, je m'arrête là parce que je papote, je papote, je papote, et puis après, faut monter. À tout bientôt et rêvez tout grand. Et sort, sort. Vous pouvez ranger votre loupe. Sherlock Holmes fait une petite pause. Au revoir!